Bonjour, je m'appelle Shaïn et aujourd'hui je vais vous présenter une expérience qui s'appelle la lampe à lave. Pour cette expérience, il vous faudra de l'huile, du vinaigre d'alcool blanc, du bicarbonate, des plusieurs récipients, des petits ou des grands. Ça dépend de la quantité que vous voulez en faire. Des colorants, ça peut être du colorant alimentaire ou de l'encre de carte de stylo à plume. Et je prends des pailles, pipettes ou seringues, selon ce que vous avez chez vous. Et je pense qu'on peut débuter l'expérience. Alors tout d'abord, on va préparer les petits récipients de colorant. Alors on va mettre un peu de colorant. Je pense que ça devrait être bon. Et on va mettre du vinaigre. Et on va mélanger. Comme vous pouvez le voir, ça fait une couleur comme les autres. Ensuite, on va préparer la lampe. On va prendre de l'huile. Vous pouvez le faire avec un entonnoir, c'est plus facile et vous en mettrez moins, vous n'en mettrez pas partout. Comme ça devrait être bon. Oh, on peut mettre plus hein. On va en mettre plus. Comme ça. Top. Ça doit être bon. On ferme la bouteille. Je fais pause. On va prendre le bicarbonate. Alors moi j'utilise un entonnoir parce que j'ai pas de coupe de cuillère, donc vous pouvez utiliser un entonnoir. On va mettre un petit peu. Ah. On va en mettre un peu plus. Je pense que là, ça devrait être bon. On pose l'entonnoir. Ensuite, on prend nos préparations. Par exemple, je vais prendre du verre. Le verre qu'on a fait tout à l'heure. Et on va mettre une goutte. Comme ça. Et vous pouvez voir ce qui se passe. Alors, je vais mettre plusieurs gouttes pour que vous puissiez bien voir. Et fait avec une pipette. Un peu de bleu. Bleu. Hop là. Petite goutte. Alors des fois ça peut se mélanger, donc du coup là le rouge et le bleu ça va faire du violet. Enfin, du noir. Et hop là. Et vous pouvez voir la réaction. Je vous le laisse admirer. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Il y a du vinaigre. Les gouttes de vinaigre vont tomber et ne se mélange pas au liquide parce que c'est de l'huile et que le vinaigre ne se mélange pas avec l'huile.
les gouttes tombent au fond. Et comme le vinaigre est en contact avec le bicarbonate, cela fait une réaction chimique qui crée des bulles de gaz et qui fait remonter les bulles de colorant. Et une fois que le gaz s'est échappé, eh bien ça retombe au fond. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz. Et c'est assez joli à regarder en décoration. Plus le récipient est grand et plus vous mettez de colorant, mieux c'est plus bon. Voilà. Ce sera tout et à une prochaine expérience.